J'ai obtenu le très haut débit en 2016 grâce à la régie du département. En effet, j'avais une entreprise de 60 salariés qui en avait un besoin vital pour rester sur ma commune. En 2017, j'ai pu aussi l'installer à la mairie. Et cette année, nous allons couvrir la salle des fêtes pour permettre à l'ensemble des associations et à la population de l'utiliser. Dans un premier temps, nous avons surtout mis le très haut débit dans les bâtiments publics. Demain, c'est l'ensemble de la population qui pourra l'utiliser. Car aujourd'hui, vous ne pouvez pas vouloir vendre un terrain, accueillir des ménages, accueillir des entreprises, si vous n'offrez pas comme l'eau et l'électricité le très haut débit à leur disposition. Pour moi, c'est vraiment un outil de développement économique important pour fixer et garder nos entreprises sur notre commune.